La soirée s'annonce claire et limpide, mais dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. Elle te rend da-ding 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 quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue. Ouais, quand elle whine dans son short. Et y'a pas que chez toi qu'elle a causé un choc, elle est trop belle. C'est vrai que j'ai rencontré quelques bénévoles sur le site, ils m'ont tous parlé de reggae quoi. Donc c'est une musique qui est non pas dominante mais omniprésente. Il y a des musiques qui dominent un temps et ensuite qui disparaissent. Le reggae depuis sa naissance n'a jamais disparu, il a toujours été là. Geneva is the first time I know Al Kiamer. Almost 30 years and it's the first time we ever performed together live. So this goes to show you how much Geneva people are special. Well, it was lovely, wonderful set of people. Geneva love reggae to the max. I realize that more and more. To work with younger people like Little Lion, to me, it gives me life as well. You know, I'd hate to think of myself as sort of performing to people only of my age. It would be terrible. He teaches me as much as I teach him, and that's the truth. Ce qui est assez fou en fait dans cet événement, c'est que à la fois c'est gratuit, mais à la fois l'organisation elle est rodée de manière ultra professionnelle. On est accueilli vraiment dans un cadre au top, il n'y a rien à dire. Tout l'accueil artistique, tout ça, c'est vraiment technique, c'est au top quoi. Et c'est même mieux des fois que dans des festivals qui sont énormes, avec de beaucoup de moyens. Et des fois pour qu'on paye, c'est ça, certains trucs. C'est ça. Que là, tu te dis, ah bon, bah, c'est gratuit, mais attends, moi je vais là. On a envie de payer pour jouer ici.